Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Deuxième partie de notre exploration du problème. Donc dans cette partie, Alice doit placer ses points sur le cercle trigonométrique unité. C'est le cercle centré à l'origine du repère et de rayon 1. Donc Bob peut placer les points où il veut, et on prend les règles de la première partie, donc c'est-à-dire que Alice trace la droite qui passe par le point de Bob, et un de ses points les plus proches du point de Bob. Donc les points de Bob, c'est PI. Elle annonce clairement le nom du point le plus proche du point de Bob. Et quand Bob a trouvé un des points d'Alice, elle enlève de l'ensemble des points à chercher. Bien, donc ici, la conjecture qu'on peut faire pour cette règle, donc avec de telles règles, le nombre de tours Tn avec n points placés au hasard sur le cercle trigonométrique unité est n plus 1. Alors pourquoi? Donc ici on a un cercle. Donc par exemple si Alice elle a placé ici, si Alice place ses points ici, donc ça c'est le point d'Alice, eh bien Bob peut placer un point ici, la droite sera tracée, donc ici il y aura une droite tracée. Voilà. Et donc la droite intersecte le cercle en le point de Bob et le point d'Alice. Donc ici, Bob a juste à faire l'intersection, l'autre intersection de la droite, ici, P2, et donc ça c'est un point d'Alice. Et ainsi de suite, on trace P2, on trace à droite, qui passe par le point d'Alice, et donc on aura bien donc tous les points d'Alice. Alors on va faire une simulation sur GeoGebra. Et alors on va donc tracer le cercle trigonométrique. Voilà. Alors ensuite on va placer donc 5 points au hasard. Hop, hop, hop. Ici. A1, B1, A2, A3, 4 et A5. Donc on va les colorier. On va les colorier en bleu. Voilà. Alors maintenant, Bob va placer un point P1 en Z1, 0. Donc on va tracer les segments P1 à 1, P1 à 2, P1 à 3, P1 à 4, P1 à 5. On regarde celui qui est le plus court. Donc ici, le plus court, ça va être donc à 1. Donc on peut tracer à droite P1 à 1. Voilà. Donc droite P1 1, donc on peut faire maintenant l'intersection, intersection CF2, on va l'appeler P2, P2, hop, voilà. Donc on va colorier le point rouge, car Alice peut dire trouver A1, on peut effacer A1, on peut effacer A1, hop, voilà. Alors ensuite A2, donc on fait les segments, donc segment. P2 à 2, P2 à 3, P2 à 4, P2 à 5. On regarde le plus court. Le plus court, ça va être donc A2. Donc, ici, on va faire à droite P2 à 2. Voilà. Donc, P2 à 2. On fait l'intersection. P3, ça va être l'intersection entre C et G. Voilà. On peut colorier en rouge car Alice va dire trouver. Et on peut effacer A2. Donc maintenant, segment A3, P2, P3, A3, A4, 5. Donc on va pouvoir tracer à droite P3, A3. Voilà. Effacer segment. Intersection
intersection entre, donc ici CK1 P4 4, là. Donc elle se dit trouver A3. On refait la même chose, donc segment P4 à 4 et 4 à 5. Ici, on peut tracer à droite P4 à 3. Segment, voilà. Intersection, ici, intersection P5, ça va être l'intersection entre C et K. CK2. Donc P5, c'est l'intersection entre C et J. C1. Voilà. On peut colorier en rouge. On va pouvoir colorier en rouge ici. Je vais passer A4 et A5. Donc droite P5. 5. Voilà. Et donc. Intersection CL1 P6 là. Et donc ici on peut effacer A5. Et donc voilà, les 5 points d'Alice ont été trouvés en situ. Donc N plus 1. Et là, donc maintenant, au lieu de tracer des droites, maintenant on va plutôt tracer. On va plutôt tracer le cercle centré sur le point de Bob, passant par un des points les plus proches du point de Bob. Alors ici, il faut remarquer qu'au lieu d'avoir donc ici une intersection, hormis le point de Bob, ici on aura deux intersections. Alors pourquoi? Donc, si on trace un nouveau cercle ici, voilà, donc ici il y aura, donc là on a un point de Bob, et bien, il y aura deux intersections, donc il faudra choisir entre les deux intersections. Donc ici on va pouvoir dire qu'au maximum, il y aura 2n plus 1 tour. 2n plus 1 tour. Donc, par exemple, si on trace par exemple ce cercle là, on aura sûrement celui-là. Ici l'intersection, quand on aura deux cercles qui s'intersectent, et bien ici on aura bien entendu le point d'Alice. Donc ici. Un point d'Alice. Donc on va essayer de vérifier cette conjecture. Donc maximum de tours 2n plus 1, bien entendu, minimum c'est n. Donc ici, aussi petite précision, nombre de tours minimum c'est n plus 1. Donc maintenant on va faire une visualisation sur GeoGebra. Bien, donc alors, on va passer le point P1. Si on aura ce cercle tracé, alors on a soit celui-là, soit celui-là. Alors, si on peut faire pile ou face, bon, par exemple, si on prend ce point-là, donc ici P2, et alors ici on va pouvoir faire segment P2 à 1, segment P2 à 1, segment P2 à 2, segment P2 à 3, segment P2 à 4, segment P2 à 5. Ici, on voit que A5 est le plus court, cercle P2 à 5. Là. Alors, donc ici on a un point d'intersection. Ici on a un point d'intersection. Donc on va pouvoir tester les deux points d'intersection. Alors, supposons que c'est celui-là, P3. On va faire toujours le pire des cas, P3. Et donc maintenant, on voit que le point P3 est plus proche de 1,1. Ici, on va pouvoir tracer le cercle centré en P3 à 1. Ici, nous avons deux cercles qui s'intersectent. Donc, on peut dire que ce point-là, donc l'intersection des deux cercles, ici, S4, intersection de DF, voilà, P4, on peut colorier en haut. Et donc ça va être un point d'Alice, c'est A1.
B4, 4 à 2, B4 à 3, 4 à 4, B4 à 5, B4 à 2, B4 à 3, B4 à 4, B4 à 5. Donc, le plus court, ça va être B4 à 2, cercle B4 à 2. Donc ici, nous avons un point ici. Et donc ici, on va pouvoir tracer les différents segments. Alors, segment B5 à 2, B5 à 3, B5 à 4, B5 à 5. Et donc ici, P5 à 5 est le plus court. Donc, cercle P5 à 5. Deux cercles s'intersectent. Si deux cercles s'intersectent, donc ça va être E et P. Donc, cercle intersection. E, P. 1. P6. Et donc, passer donc P6 peut être colorié en et on peut effacer A5. Maintenant segment P6 à 4, P6 à 3, P6 à 2. Ici le plus court ça va être P6 à 4, cercle P6 à 4. Voilà. En on peut mettre un P7. P7 va être ici. Voilà. Donc ici, le point le plus proche, c'est le point le plus proche avec P7 à 2, vérifiez ça, donc segment P7 à 2, segment P7 à 3, P7, segment P7 à 4, vous voyez, donc c'est à 2, donc cercle P7 à 2, on a deux intersections, ici, à 2, ça va être l'intersection KG, P8 égale intersection KG. Ouais, on peut colorier en rouge. Donc ensuite cercle, on démarre de P8 maintenant. Segment P8 à 3. Segment P8 à 4. Donc faire un cercle. Ici le plus court ça va être P8 à 3, P8 à 3, donc ici on peut récupérer l'intersection proche de P1, là, donc ici. Hop. P9, voilà, donc maintenant on peut faire le cercle, ce cercle là. Segment P9 à 3, voilà, segment P9 à 4, donc le cours ça va être E à 4, cercle P9 à 4, donc là on va voir l'intersection en A4, P10 égale à A4, ensuite P10 égale à A4 et ensuite on va voir P11 égale à A3. P11 égale à A3. On aura deux cercles qui vont s'intersecter ici. Puis ici on aura 5 x 2 plus 1 tour maximum. Alors maintenant, soit x, la variable aléatoire, donc il prend en compte des erreurs de placement de points. Si une erreur de placement de points, ça veut dire on a tracé un cercle, Alice a tracé un cercle, et on prend fois sur deux soit le point d'Alice, soit
un mauvais point. Donc, x, la variable qui prend en compte le nombre d'erreurs de placement. X suit une loi binomiale de paramètres n, donc 3, 1/2. Donc quelle est la probabilité que x, on ne se trompe pas, x égale à 0. Eh bien ça va être n 0, combinaison n 0, 1/2 puissance n, fois 1/2 puissance 0. 1/2 puissance 0 c'est 1, n 0 c'est 1, donc ça va être 1/2 puissance n. Donc la probabilité de ne pas se tromper est de 1/2 puissance n. Donc la probabilité de se tromper est supérieure strict à 0, c'est égal à 1 moins p de x égale à 0. C'est 1 moins 1/2 n. C'est 2 puissance n moins 1 sur puissance n. Donc la probabilité de se tromper au moins une fois est de 2 puissance n moins 1 sur 2 puissance n.